la veuve de Johnny Hallyday ne serait pas si dévotée que ça. Sur LCI, ce 29 mars, Marion Alombert, rédactrice en chef de Voici, raconte le quotidien de Laetitia Hallyday. Évidemment, c'est une femme qui est en deuil, qui pleure dans le privé, mais de l'image qu'elle renvoie, elle sort tous les jours, explique la journaliste. Elle s'occupe énormément de ses enfants, elle est assez entourée, elle a des amis qui viennent la voir tous les jours. On a des photos d'elle, avec Alessandra Sublet, avec d'autres copineux, elle va déjeuner au restaurant, elle va se balader sur la plage avec les enfants, avec le chien Cheyenne qu'avait adopté Johnny. Fermez les guillemets si Laetitia Hallyday reste loin de la France, pour se protéger un peu de la bataille qui fait rage pour l'opinion dans le cadre de la guerre autour de l'héritage, elle ne reste pas pour autant enfermée chez elle. C'est pas quelqu'un qui vit en reclus, assure Marion Alombert. Elle est active, on la voit qui sourit, qui discute avec des gens. Elle est certes amaigrie, certes elle a des moments difficiles, mais c'est pas quelqu'un qu'on voit dévasté, dans ce que nous, on suit au quotidien. On sent qu'elle reste assez sereine.